Salut les amis, ici Ultra. On se retrouve aujourd'hui pour tester le premier DLC de Marvel Spider-Man, donc qui s'intitule Le Casse. Il vient de sortir, donc ça sort aujourd'hui, donc alors je vous parle le 23 octobre. Donc voilà, le premier DLC qui sort, on va faire un petit tour d'un petit état des lieux, etc. Pour rappel, Marvel Spider-Man est sorti le 7 septembre, donc ça fait un petit mois, hein, un bon mois et demi même, donc ça va, ils envoient les DLC assez rapidement. Pour ma part, le premier jeu de base, le Marvel Spider-Man, le jeu de base est vraiment exceptionnel. J'ai adoré, je viens de le terminer, donc c'est pour ça que j'enchaîne le DLC avec plaisir. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo qui explique un petit peu le gameplay, etc., je vous renvoie à cette vidéo en suggestion ou à droite, où vous avez la description, enfin vous avez le lien dans ma description. Mais là, c'est pas le cas, on va découvrir un peu le DLC du CAS. Le CAS, ça s'appelle, donc qui met en avant Black Cat, une cambrioleuse qui est bien connue par Spider-Man, vu que dans les BD, si vous avez suivi un peu les BD, les dessins animés, il y a eu une idylle entre les deux. On n'en dira pas plus, il y a plein de clins d'œil en plus dans le DLC. Il y a une mission secondaire aussi, pour info, dans le jeu principal, qui met en avant Black Cat. Donc ça met en place Black Cat et, on va dire, des nouveaux mafieux depuis que Wilson Fisk est en prison. J'en dirai pas plus, donc voilà, tout tourne autour de ça. Il y a des nouvelles missions, il y a une nouvelle intrigue scénaristique qui a l'air vraiment sympa, autant que le jeu de base. Il y a des nouveaux défis, il y a des nouvelles tenues, mais bon, on va découvrir ça ensemble déjà en faisant une petite mission pour vous montrer un peu. Oui, alors j'étais sur la tour des Avengers, hein. Il y a pas mal de petits clins d'œil comme ça dans le jeu qui est vraiment exceptionnel. Allez, on va se faire la petite mission tout de suite. Toujours aussi stylé, hein. Franchement, j'ai toujours adoré les jeux Spider-Man, mais alors celui-là, il est quand même vraiment bien fait, hein. Insomniac Games a fait du beau travail. C'est édité, je le rappelle, par Sony, exclusivité PS4, puisque les droits de Spider-Man au cinéma et autres appartiennent à Sony. Donc c'est pour ça que vous ne verrez pas un Spider-Man sur d'autres plateformes, en tout cas sans accord de Sony. Et Insomniac Games ont fait du travail exceptionnel. Même Square Enix a félicité Insomniac pour son travail. Et on comprend pourquoi, quoi. Il y a des choses à améliorer. Je dis pas qu'il est parfait, mais pour un premier jet, il est exceptionnel, quoi. Allez, c'est parti. Encore une voiture piégée, on dirait. C'est l'œuvre de quelle famille, cette fois? Toujours à Mered? Sans doute. Il y en a peut-être d'autres dans le quartier. Appelons les démineurs, au cas où. Des bombes sous des trucs? Je dois passer au ras du sol. D'accord. Donc là, c'est une mission un peu spéciale. Donc c'est bien, c'est diversifié. Donc j'ai un Spider-Bot, ok. Je devrais chercher les autres bombes. C'est désamorcé. Localisons les autres. C'est pas évident de savoir où est-ce qu'elles sont les bombes. Mais bon. Les diodes clignotantes des détonateurs. Diodes clignotantes des détonateurs, ouais. Je dois trouver. Elle est à l'intérieur. Non, si. J'en ai eu. Ouais, ok. Mon Spider-Bot entendra la fréquence d'un détonateur à balle. Et encore une. Allez, c'est parti. Petite dernière. Il y a plein de petites missions comme ça qui diversifient aussi. Ah, elle est là. Juste à temps. Hammerhead rigole pas. Va falloir faire gaffe au cas où il en aurait semé dans toute la ville. Ah, d'accord. Ça met en avant des petites nouvelles missions. D'accord. Ça, c'est des petites missions secondaires qui peuvent être dans tout le jeu. Je pensais continuer un peu l'intrigue, donc on va essayer de continuer un petit peu, parce que bon,
Le but, c'est bien, là je vous ai montré un petit défi qui se passe à n'importe quel moment dans la ville. Ah voilà. Allô ? Spider-Man, ici l'inspecteur McKay. Un collègue m'a transmis votre numéro. Pas la peine de vous demander qui ? Que puis-je faire pour vous, inspecteur ? Je préférerais vous en parler en personne. Vous pourriez faire un saut au commissariat de Greenwich, dès que possible. Il paraît que vous aimez les toits. Je suis en route, à tout de suite. Ça m'occupera en attendant d'avoir des nouvelles d'MJ. Oh, c'est dingue ce braquage du musée. Le jour de Black Cat de bosser avec des types comme un raid. J'espère qu'à mesure on saura plus sur ces données. Bon, alors vous voyez, hein, c'est fluide, comme d'hab. Hein. Ceux qui n'ont pas connu le jeu principal. Je le redis encore une fois, hein, je mettrai le lien de ma première vidéo de présentation dans la description. Hop. Où je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Inspecteur Maquet, j'imagine. Merci d'avoir fait le déplacement. J'aimerais vous parler de Black Cat. J'aime mieux pas. Pas de la nouvelle Black Cat, mais de l'ancien. Celui d'il y a 20 ans, j'étais sur l'enquête. Black Cat est une imitatrice ? Où est passé l'original ? Il est mort en prison, mais on n'a jamais pu retrouver tous les tableaux volés. J'ai une nouvelle piste, mais la police n'y voit qu'une perte de temps et d'argent. Mmh. La perte de temps et d'argent, c'est un peu ma spécialité. Parfait, allez là-bas. Je vous en dirai plus en chemin. Merci de votre aide. Je refuse de partir à la retraite sans avoir résolu cette affaire. Donc, j'ai réépluché le dossier. L'ancien Black Cat faisait dans les œuvres d'art, mais avant de se faire pincer, il a braqué une usine de détecteurs de fumée. Des détecteurs ? Drôle d'idée. Pas tant que ça. Il a volé l'américium 241 qu'ils contiennent. On a cru qu'il avait un acheteur, mais en regardant un film l'autre soir, il m'est venu une meilleure idée. Et s'il avait marqué l'étoile volée à l'aide des radioisotopes pour les retrouver à sa sortie de prison ? C'était quoi le film ? Non, me dites rien. Pas de spoil. Donc, j'ai pensé que si on retrouvait la trace des isotopes, elle nous mènera au tableau. Le scintillomètre de mon costume devrait faire l'affaire. Je vous appelle si je découvre quelque chose. Merci, Spider-Man. Si j'arrive à boucler ce dossier, je me retirerai l'esprit tranquille. Je sens que je me rapproche de l'une des toiles volées. Le signal provient de ce boîtier électrique. Mais je ne détecte aucun courant. Bizarre. Il serait bidon ? Je me demande bien s'il est creux. Un tube de transport. D'accord. Encore un défi. Inspecteur, j'ai trouvé un tableau volé. Il était planqué dans un faux boîtier électrique. Bien joué, j'en étais sûr. Laissez-le là, j'enverrai quelqu'un. Maintenant, je peux vous transmettre une liste des lieux qui auraient pu servir de cache à Hardy. Ok. Attendez, Hardy, vous dites ? Ouais, c'est le nom du premier Black Cat, Walter Hardy. J'aurai plus de détails pour vous la prochaine fois. Ok, donc là, ça résume des collectibles à trouver. Bien. Si un Black Cat s'appelait Walter Hardy. Et maintenant, j'ai affaire à Felicia Hardy. On dirait que c'est une histoire de famille. Mmh. Exactement. Bon, bah, ils vont nous développer tous les défis comme des tutoriels. Le scanner de la police vient de signaler une fusillade à l'angle de Hudson et de Northmoor. Cette zone, elle est pas aux mains de la Magia ? Si. Croit qu'il y a les Black Cats. Ça a dû provoquer une guerre des gangs. Bon, je vais aller voir ça. Des nouvelles du cambriolage au musée ? Voilà les infos que j'ai. Personne ne sait ce qu'il y avait sur la clé dans le tableau de la Maria. Maintenant que Hammer est là, les familles de la Magia flippent complètement. Si ça détourne une voleuse d'œuvres d'art de ses habitudes, ça doit valoir un paquet. Je me demande pourquoi Black Cat travaille pour Hammer. En général, elle bosse seule. Aucune idée. Ça fait longtemps que j'essaie de plus comprendre Felicia. Felicia, hein ? Faut vous appeler par vos prénoms maintenant ? Je crois. Bon, bah on se tient au courant, ok ? Vous avez dit qu'il y avait une idylle entre Black Cat, alias Felicia, et notre homme araignée.
Ah, pour ceux qui sont fans, qui ont connu les bandes dessinées ou les dessins animés, le savent. Alors vous voyez, vous avez aussi des faits divers qui interviennent de temps en temps comme ça. Donc soit je décide d'y aller, soit bah je continue ma mission. Personnellement, je vais continuer ma mission pour la vidéo. Voilà, échec, c'est pas grave, je les ferai plus tard. Donc il y en a déjà dans le jeu original, hein, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Oh, moi j'y vais pas discret, hein. Je rentre dedans, hop. Hop. Allez, je prends mon pouvoir de ma tenue. A chaque fois que vous débloquez une tenue, vous débloquez une compétence spéciale, hein. Donc là, j'ai mis les bras araignées qui sont pas mal en soi. Bon là, c'est vraiment pour les dégniguer rapidement, hein. Je les ai foutus. Un camion de livraison. J'espère que c'est les slips que j'attendais. Wow, pop, 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 pop. Ces slips ne ressemblent pas à ça sur le site. Je refuse de réceptionner ce colis. Oh, bah, toute la bande est là. Eh, comment... Eh, il va être chiant, lui. D'accord. Ah ouais, d'accord, t'es comme ça, toi. Allez, mange. Oh là, oh là, oh là. Hé ! Ah, vous me faites mal. Aïe ! Eh ben, bah, qu'est-ce qu'ils ont, eux ? Non, ouais. Pour la vidéo quand même, je vais pas me laisser avoir, ça serait moche. Allez, on se remet un peu en mode skill quand même, c'est quoi ce délire? La honte quoi. De peine si je parle. Vas-y, je t'écoute. La fille avec les cheveux blancs, elle nous a dit de venir ici et de faire du bruit. J'ai un con. J'en fais un beau. Tu l'as vu où? À la bodega, sur Waverly. MJ, cette fusillade, c'est une distraction. Black Cat l'a organisée pour éloigner les flics de Waverly Street. La Magia a une planque sur Waverly. L'équipe zéro, je crois. Je peux peut-être encore la voir. Félicia prend son temps, en général. Elle est méthodique. Ah oui? Je te tiens au courant. Voilà la boutique. Ok, Félicia, où tu te caches? Les griffes de Black Cat. Et bon, on va la suivre. Bon, allez. Utilise ça pour les planques. Qu'est-ce que tu regardais, Felicia? Alors ça, c'est une des missions secondaires, en plus, qu'on doit faire dans le jeu initial. Elle est là. Félicia, la Magia plaisante pas. Joue pas trop avec eux. Oh, mais tu sais que j'adore jouer. Spider-Man, il bosse avec la minette. Chopez-le! Personne ne vole impunément la famille.
Mais non, encore les gros sacs. Ils sont super puissants. Eh, hey, bouge pas toi. Il a l'air de faire super mal en plus, Sex. Aïe. 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 Voilà, ça va mieux. Eh bon, c'était sympa. Mais où est Félicien? J'aime bien te regarder. Ça me rappelle de bons souvenirs. Y a quoi sur cette clé? Je sais pas exactement, en fait. Alors pourquoi la voler? Parce que sinon... ils tueront mon fils. Quoi? Ton fils? Merde. Félicia a un fils? Impossible. Enfin, si, c'est sûrement possible, mais je pourrais... Oh non, 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 je veux pas penser à ça. J'ai trouvé Black Cat, mais elle a filé. Eh ben, c'est donc vrai qu'elle est méthodique. Elle a volé une autre clé USB. Alors chaque famille en a une. Je me demande ce qu'elles contiennent. Est-ce que t'as d'autres infos? Non, pas vraiment, non. D'accord. On dirait qu'elle aide Hammerhead à prendre le dessus sur les autres familles de la pègre. Ça pourrait mal finir pour tout le monde. Cette ville a vraiment pas besoin d'une guerre des gangs. Je t'appelle si j'ai des infos au sujet de ces clés. Screwball? Me dis pas que t'es sorti de prison! Et si, mon petit Spidey! Et j'ai même emmené quelques-uns de mes abonnés! Ah, franchement, ils sont pas trop cute! Ils m'aident à préparer mon nouveau vlog! Ah, c'est vraiment sympa d'avoir fait un saut! Allez, à plus dans le bus! Quelque chose me dit que ces types ont pas été libérés pour bonne conduite. Il faut que j'aille voir ça. Bon, et ben voilà, c'était pour mettre en scène un petit peu l'histoire de du DLC. Donc le scénario a l'air pas mal, surtout avec Black Cat et tout, il y a une bonne intrigue. Si l'intrigue est autant meilleure, aussi meilleure je veux dire que le jeu initial, ça va faire un carton. Pour ma part, moi j'ai avancé un petit peu dans l'histoire, hein, j'ai pas voulu vous faire le début, là on est déjà un petit peu plus avancé. Et je trouve que déjà, ça s'annonce plutôt bien. Ça garde les bonnes mécaniques, il y a quelques petites nouveautés avec les costumes, il y a des nouveaux défis. Pour ceux qui ont kiffé et qui en voulaient plus de Spider-Man, c'est le moment d'en faire. Donc voilà, pour moi, ça a l'air d'être un bon DLC. Vous pouvez acheter le DLC seul à 9,99€ ou le Season Pass. La ville ne dort jamais à 19,99€, à savoir qu'il y a 3 DLC. Donc en prenant le Season Pass, vous êtes gagnant, bien sûr, si ça vous intéresse. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager ou même commenter. Si vous avez des questions ou autres, je serai là pour vous répondre. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.